Si tu mets pas de pouce bleu à cette vidéo, tu seras jamais riche. Mets-le, tu seras milliardaire. Et cité de la résistance, mets dans les commentaires résistant. Voilà, pour tous les professeurs, vous avez un métier vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup de respect pour ça. Je vous fais des gros bisous, de gros câlins. On pense beaucoup à vous. Vous avez un métier qui est pas facile. Vous avez un métier qui est extraordinaire. Et moi, je vous fais des gros bisous, bisous. Oui, là, il y a la discrétion, là. Pardon, excusez-moi. C'est un homme préhistorique, lui. Désolé, c'est un bug, c'est une pub pour des cheveux, je pense. Par exemple, si quelqu'un marche comme ça, je vous montre. Si quelqu'un marche comme ça, ça veut dire qu'il est stressé. Si quelqu'un marche comme ça, ça veut dire qu'il est stressé. Ça veut dire qu'il est stressé comme ça. Non, ça veut dire que tu viens du village de Naruto, wesh. Maman, je suis stressé, maman. Il vient de Konoha. Wesh, c'était qui ça, la meuf avec la perruque, là? Je sais pas, hein. C'est très étrange. Je crois que j'ai un petit peu rêvé, là. J'ai cru voir un tricératops dans la conversation, c'est très bizarre. Moi, j'ai cru voir un tricéranus, tu connais ou pas? En fait, je suis un tricératops. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je suis un tricératops préhistorique. Bonjour. Oh mince, ma caméra, excusez-moi. Bonjour à tous, c'est Maëva Gendam. La cagoule. Vous avez des belles dents, madame. Vous avez... Oh putain. Eh, j'ai une pieuvre sur la tête. Bon, on va faire un truc, vous allez passer vos commandes. Ici, on est au McDo, on va pas attendre ici pour rien. Je vous écoute. Tu veux commander quoi? Un McFest. Un McFist, ok. C'est dans la boîte. Madame, on commence le cours ou quoi? Mais par contre, je suis non-binaire plus, donc ok, d'accord. T'as tes principes. Non mais t'as tes principes, mais garde-les pour toi en fait. Non mais arrête, brasse. Salut les Mongols. Putain, on est tombé sur. Ça serait bien. Non mais en fait, on est venu parce que lui, en fait, c'est un homme préhistorique ou plutôt une femme, je sais pas. Ok, il a... Laisse-nous un peu avant d'arriver. Salut tout le monde, je me présente, je suis un homme préhistorique et je suis venu voir comment ça se passait en 2021. Parce que, pourquoi vous rigolez? Je suis un homme préhistorique, j'ai vécu à l'époque des dinosaures. Quoi? Pourquoi vous rigolez? Mais pourquoi vous rigolez? Wow. Et quoi? Moi, à l'époque, j'étais avec les dinosaures et on tapait des freestyles avec les dinosaures. Voilà. Salut à tous. C'est de la cagoule. J'ai vécu avant Jésus et tout, les gars. Je suis né en l'an 1. C'est qui lui? Ouais. Et à mon époque, pour dire bonjour, vous savez c'était quoi? Vous savez c'était quoi à mon époque pour dire bonjour? Voilà. Le stegosaure, il se steg. Comment? Monsieur, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais un homme préhistorique. Ah, d'accord. Et là, je crois que... TARZAN! Bonjour. Pourquoi il se lave? Il se lave les dents, le boug! Salut tout le monde, c'est Maëva Gendam! Wouhou! Maëva Gendam! Oui, super. Eh ben, vous pouvez enlever votre tronche comme ça, là? Quoi? C'est quoi? C'est... Vous l'avez sur la tête. C'est... Je suis diabétique, madame, je peux pas! Madame, je peux pas, je suis diabétique. Si j'enlève ma cagoule, je meurs! Quand je vous interroge, parce que vous allez interroger, il veille sur vous, hein? On a le. Notre saint patron qui veille sur nous. Tout okay. Est bon dans le cochon. Il est là. Comment il s'appelle? Alors il s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Gordon. Gordon. Mais si je mets là, mais une fois il se fait attaquer par mon chat parce que mon chat a l'impression de. Je l'aurais appelé Dimitri. En réalité, que c'est un véritable. Je l'aurais appelé Dimitri Payet, moi. Oui, ils ont le même poids. Mais par contre. Mais t'es le aussi, t'es en double lisse. Oui, mais j'ai une calvitie, j'arrive pas. Vous voyez, j'ai une calvitie, c'est une calvitie 90%. Genre, c'est une calvitie qui commence ici. Et du coup, je mets un... Pourquoi vous rigolez? Je mets... Voilà. Bon, on commence le cours, madame. Salut à tous, c'est Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un podcast. Non, c'est parce que je vous entends pas très bien, c'est bon. Je vous entends bien. C'est bon?
Est-ce que vous avez des nouvelles de... Bon, Clara, vous m'avez dit que non. Et Jeanne, Chris Kessler, vous avez des nouvelles ou pas? Monsieur? Oui. C'est moi, Clara. Ah, Clara, t'es revenue. Parfait. Jeanne, elle est devenue plombière. Monsieur, vous êtes prof ou élève? Parce que vous êtes jeune un peu. Monsieur, vous ressemblez à Wolverine de Wish. De Wish, vous êtes sérieux? Non, vous ressemblez à Wolverine. Monsieur, je travaille au McDo, comme vous pouvez vous apercevoir. Si vous voulez, je peux prendre votre commande. Le vecteur U, on le connaît. Le vecteur V, on le connaît. Maintenant, on cherche le vecteur M, à partir de cette égalité. Déjà, monsieur, une petite question. À quoi ça nous sert dans la vie de soustraire des lettres? Je comprends pas. Est-ce que je vais aller au Leclerc et je vais dire « Bonjour madame, j'aimerais des céréales et j'aimerais soustraire M ». Non, personne fait ça. À un moment donné, enfin, bon, moi, en vrai, je... Enfin, après, voilà. Silence ! Pardon, pardon ! Aide ! Cachez-vous ! Non, 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 j'ai retiré les questions avec les cartes, non ? Il y en a encore ? J'ai envie de péter, attendez. Bonjour à tous, alors on commence le cours. Alors comment avaler une seringue? Quelle prise de fils! Pourquoi y'a Boudère là? Eh hey, y'a Boudère, wesh! Sa mère, j'ai perdu! Putain, vous êtes qui vous là? Les gars, Mangez le cercueil du dragon sage! Mangez le dragon sage! Le dragon sage, mangez! Oh merde, pardon! Monsieur, monsieur, vous êtes Xavier Dupont de Ligonnès, C'est vous, on vous a retrouvé, monsieur. Xavier Dupont, on vous a retrouvé, monsieur. C'est vous. Je vous ai reconnu. Comme vous avez vu, je travaille au McDo. Alors j'écoute. Qu'est-ce qui prend sa commande en premier? C'est qui? Vous êtes qui? Le mec en scooter, toi, je te sens chaud. Vas-y, prends la commande. J'arrive, vous inquiétez pas. C'est qui là sur le scooter? Allez, allez, allez! Allez, le PSG! Allez, madame! Super drôle! Super drôle! D'accord. Bonjour monsieur, je m'appelle Chips, c'est pour la livraison, c'est vous? Je suis bien arrivé à la bonne destination là ou quoi? Wesh, c'est qui lui? Arrête d'avancer! Moi, je veux le pizza 4 fromages! Ah, c'est pour moi! Oui! Et stop là, c'est quoi ce délire là? Vous allez arrêter là? On arrête les conneries là, oui! Je fais mon travail! Tiens, la pizza 4 fromages! Bonjour madame! Allez-y, je note! Je m'appelle PC et je viens livrer la pizza 4 fromages. Je vais commencer à m'énerver parce que je fais mon travail, madame! Est-ce qu'on fait une, collaboration ou pas? Je fais mon travail, je me suis déplacé ce matin à 9h, donc ta pizza 4 fromages, tu vas la prendre.